عسلامة، مرحبا بكم. نحن توا في الاكس ايفنتس ليفينمون اللي ملي يوتيوبر والجيمنج والديفلوبمون في تونس. Dans les boîtes de jeux comme Digital Mania, la boîte d'animation 3D CGS 3D et Digital Primitive Marseille. Voilà. Je crée Hajit Mouzianine l'Arbeid. Le métier que j'exerce à Wik, qui m'a lu design, c'est un métier qui n'existait pas avant. C'était pas un objectif, mais je suis en train de le faire. Et quand je l'ai découvert, je me dis maintenant, je veux me spécialiser en ça. Ou aller chez moi, j'enseigne à l'université aussi. Cursus universitaire. Je vois tous les gamers mon événement. J'aimerais bien qu'un jour BUK a fait là, mais qui a fait le lab, la création aussi par les jeux. La volonté avant tout. نحب الالوان نحب الحيوانات نحب بالحق نحب الحاجات المزيانين فهمت je veux transmettre ça aux gens. J'adore voir le sourire chez les gens quand ils voient quelque chose de beau. عندنا لي جو هنا ميكسبوزين تحت جيم باترايب. عندنا لي جو هنا برو لانسر بروش تخدم اندرويد وبروش تخدم ويندوز فون. عندنا دو جو ديجا موجودين في جوجل بلاي. عندنا تروا جو في الويندوز فون. عندنا دو زوتر جو اون كور دو ديفلوبمون فهمتني عليه. جبنا هنا واحده منهم ديمو باش العباد تلعب فيرسيون بي سي اما راه باش تخرج موبيل وبي سي وويب باش تجرب العباد وتشوف فهمتني عليه. كيبه صغيره ثلاثه اربعه من الناس ماهيش كبيره برشا. كادونس نتاع شهر شهرين هكاك نخدموا نهبطوا جو فري العباد كلها تشربتها بيرمون تونسيه من ديفلوبمون الجرافيك وكل شيء. دونك تنجموا تجربوها تعطيونا لي كومونتير نتاعكم نحسنوا نزيدوا نقصوا اترافير لي زيشونج اللي نعملوا. Pour les encadrer bien, pour faire de l'autoproduction de concepts de séries
et d'autres productions de jeux qu'on vendrait nous-mêmes, etc. au public. Depuis, j'ai essayé de switcher vers de la 2D parce que c'est ce que j'aimais moi, c'est ce que je préférais. J'ai travaillé chez des sociétés, des petites sociétés au début, puis c'était surtout les freelance. J'avais travaillé pendant un moment aussi sur la télé, puis j'ai switché d'un coup au freelance et j'étais plutôt spécialisé dans la 2D, l'illustration et l'animation 2D. Voilà. Avec les réussites de ce que j'entreprends en général, vraiment c'est l'acharnement. L'acharnement. Une fois que j'ai commencé quelque chose personnellement, je vais au bout et tant que j'ai pas ce que je veux, je ne m'arrête pas. Et c'est vraiment ça. Et le fait de vraiment penser, think out of the box, je sais pas si vous voyez un petit peu ce que c'est. Vraiment, c'est ne pas se dire voilà, il y a un chemin, je vais emprunter ce chemin. C'est toi-même qui fais le chemin. Ce domaine-là, je dirais que c'est mon grand frère. C'est mon grand frère qui dessinait tout le temps quand j'étais jeune. Là, il dessine moi, je pense. C'est lui qui m'avait inspiré pour devenir artiste 2D. D'ailleurs, c'est lui qui avait acheté la tablette graphique. Que j'ai toujours d'ailleurs, qu'elle marche toujours. Et c'est elle qui m'a aidé aussi à trouver cet amour pour la 2D. Voilà.